Les Alliés sont reconnaissables par leur haut de cartes bigarrées et par leur symbole représentant un personnage stylisé. Remarquez que les cartes d'Alliés portent aussi le symbole de cartes d'action, car ils sont joués de la même manière et avec les mêmes restrictions. Pour mettre un allié en jeu, le minion actif doit locker et mettre face ouverte sur la table la carte d'allié en question. Les cartes d'alliés représentent les mercenaires, chasseurs de vampires ou autres loups-garous indépendants qu'un minion peut apporter en jeu par le biais d'une action. Cette action sera appelée Recruit Ally Action. Par défaut, et même si cela n'est pas indiqué sur la carte, toutes les actions qui mettent un allié en jeu sont non dirigées à plus un stealth. Le coût d'une carte d'allié ne sera payé que si l'action de la mettre en jeu est réussie et n'est pas bloquée. Un allié entre en jeu aux côtés des autres minions du Metsula et deviendra un minion à part entière avec lequel le Metsula pourra agir et bloquer, indépendamment du minion qui l'aura recruté. À son arrivée sur la table, on lui donnera un nombre de blood counter égal à son nombre de vie de départ, indiqué en gras, en haut dans la boîte de texte. Ces blood counters s'appelleront des life counters. Un allié ne peut pas agir le tour où il entre en jeu. Par contre, il sera permis de réagir avec lui dès le début du tour du prochain Methuselah. Si un allié entre en jeu par un autre moyen que par un Recruit Ally Action, il pourra agir le tour où il entre en jeu. Dans ce cas, si le recrutement de l'allié requérait une discipline, la version inférieure de l'allié sera utilisée si elle était différente de celle supérieure. Les mots-clés se retrouvant sur les cartes d'alliés n'ont pas d'effet en tant que tel. Seulement, d'autres cartes peuvent avoir des effets sur elles si elles sont jouées ou si elles sont en jeu. Par exemple, le vampire Carmine Giovanni donne un avantage aux alliés portant le mot-clé Wraith, ou encore l'équipement Argent Bâton offre une strike spéciale contre les Werewolves. À tout moment, si un allié n'a plus de Life Counters, il sera défaussé et envoyé dans le Hash Heap.